Allez, salut à tous les amis, c'est Lantouple, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prize and Architect Star Wars. Oh yeah! Devant ce lit sublime qui bloque la porte, qui a posé ce lit à la con, espèce de droïde péteux. Mais en fait ils ont posé, alors les droïdes sont un petit peu cons. Les excuser. Bon, ils ont posé le lit en plein milieu de la porte. Résultat, la porte ne peut pas se fermer. Ah, voilà, voilà un droïde intelligent. Pendant qu'il y en a un qui déplace le lit. Oh putain. Les portes sont fermées. Open. Pendant qu'il y en a un qui installe le détecteur de métaux juste là, qu'il va falloir alimenter tout de suite. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Oui, GG. Mais non, il y avait les tuyaux au-dessus, donc c'est bon, hein, ça m'a perturbé. Je remarque déjà plein de prisonniers blessés, machin. Donc j'ai absolument pas prévu ce qu'on allait faire aujourd'hui. Bon, déjà, c'est obligatoire. On va devoir continuer à développer la prison, c'est-à-dire construction de cellules. Parce que je vous rappelle que nous sommes en continu intake, c'est-à-dire que l'arrivage de prisonniers est constant jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que je rentre la prison, tout simplement. Voilà. Donc, je construis les murs, on va devoir faire de nouvelles cellules parce que vous voyez, on est déjà en sureffectif. On a 29 prisonniers pour seulement 22 cellules. Les autres, ils crèchent dans le holding, celle-là, celle de détention. Regardez, ils sont magnifiques avec leurs petites bouilles vertes, toutes vertes. Ils peuvent pas dormir. Ah, merde! Oh, quel con. J'ai oublié de mettre des lits. S'il vous plaît, on va mettre des lits de... Bon, il y aura que 4 lits, hein, vous m'excuserez, mais bon, hein, je... Voilà. Hein? Bon, d'accord. Ok. Hein? Bon. Ou des liens entre les chiottes. Non, c'est un petit peu sale quand même. Bon, ils ont besoin d'hygiène et tout, mais bon, c'est. Je suis désolé, les mecs, vous avez pas de cellules, vous avez pas le droit à la propreté. Bah, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche. Bon. Du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais mettre dans cette salle-ci. Oh putain, alors ça c'est con par contre. Je pense que je retrouverai facilement, ou alors j'aviserai plus tard. Il me semblait que j'avais. Aménager un tout petit peu le yard. Qu'est-ce qu'il me dit? Secure beyond at least one door. Et oui, mais il y a une porte là. Qu'est-ce qu'il me dit? Je comprends pas. Ou alors je vais devoir faire une pseudo entrée. Attendez. Tac tac tac. Mur en béton. On va faire un pseudo sas de sécurité pour qu'il considère que ce soit fermé à l'aide d'une porte. Et la porte, bon, on va mettre une porte de prison toute conne. Ah, bah tiens, je viens de remarquer un truc. Nous sommes en Alpha 19, en effet, oui. Bah, nous avons pris une mise à jour de plus depuis la dernière fois. Alors, balance, shit, cash flow, PL, je sais pas ce que c'est. Shares, this month, it's all about the greenback. We've introduced more grants. Ah, c'est bien ça. Bank loans. Bank loans, c'est les prêts bancaires. Donc, les contrats, en gros. Attends. Ah non. More grants. Ah oui, non, oui, pardon. Non, parce que dans la catégorie des contrats, bah, enfin, je veux dire, non, c'est débile ce que je dis. Mais vous voyez, il y a deux moyens d'obtenir de l'argent. Donc, il y a les grants, qui sont les contrats, donc les subventions, et les bank loans, là, qui sont des prêts bancaires. Et en gros, la différence, hein, je suppose que vous n'êtes pas stupide, vous avez peut-être déjà deviné, mais en gros, la différence, c'est que le contrat, bah, vous devez remplir une partie des conditions... n'importe, hein, construire une pièce, un bloc de cellules, n'importe quoi. Et le prêt bancaire, eh bien, vous... Enfin, cela étant dit, le prêt bancaire, normalement, vous êtes censé rembourser. Mais bon, dans ce jeu-là, ça ne s'applique pas vraiment. C'est ça qui est un peu con. Mais bon, bref, quand vous prenez un prêt, vous avez l'argent directement, quoi. Instantanément. Voilà. Sinon, machin. The selling of chairs in your prisons to raise more funds. On peut vendre les chairs, les biens. Les biens, qu'est-ce que je dis? Les. C'est bien, c'est good. In your prison to. Bon, bref, on peut vendre des trucs pour avoir plus de fric. Je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, ok, bon. Bah, c'est bon. Nous sommes en Alpha 19, donc il me semblait avoir vu autre chose. Attendez. Voilà, export. 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 C'est une salle? Export. Ah d'accord, il va falloir que je construise une salle pour pouvoir exporter les biens que pour pouvoir vendre. Ah ben ça c'est bien, ils implémentent toujours plus de méthodes de se faire plus d'argent. Moi j'adore faire de l'argent. Mais le problème là c'est que ça va être très ricrac, ou alors il va falloir que je m'achète une autre parcelle de terre. Mais pour l'instant c'est pas trop dans les frais, hein. Pour l'instant je vais finir cette partie là. Si un jour ils construisent ça, non? Non. Ça vous dit pas, en plus je vois là, un droïde en train de rien foutre. D'ailleurs je suis pas en... Allez hop.
Et est-ce que j'ai fait le régime? Il me semble bien. Il me semble bien que j'ai fait le régime. Régime. Grant. Oh la vache. Ah, oh, mais ils ont refait le menu. You can accept no more than two grants at a time in progress. Ah, c'est génial. Ils ont refait le menu de. Des contrats. Ah, mais du coup. Bah, si! Bah, en fait, je vous ai dit une grosse connerie. En ce qui concerne les prêts bancaires, maintenant, on a. En fait, avant, il n'y avait que des contrats. Mais maintenant, on peut, bien sûr, s'octroyer des prêts. Et bien sûr, les rembourser. On va devoir les rembourser. Vous voyez, parce que là, il y a une jauge. Et je suppose que, bah, on va devoir les rembourser. You can borrow a large lump sum from the bank. In return, the bank will charge you interest each day. Voilà. Donc, les intérêts. Oh putain, cette porte à la con. Attendez. Là, c'est crise, là. Là, c'est crise. Toi, va ici. Et ouvre-leur la porte à ces idiots. Allez, ouvre. Oh putain. Vite, je laisse ouvert. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est bugué. Ok. C'est pas grave. Et donc, je reprends mon explication. Elle charge you interest. Bon, voilà. Elle vous prélève des intérêts tous les jours. Bon, là, bien sûr, c'est à l'échelle de Prison Architect. Donc, c'est tous les jours. Vu que vous gagnez des sous tous les jours et pas tous les mois. Ou enfin, n'importe quoi, vous comprenez. As you make regular payments, your credit rating will increase. And the bank will allow you to borrow more. Oh, wait, if you miss payment. Ok. Plus vous êtes régulier dans vos paiements d'intérêts. Et plus la banque vous accordera des prêts conséquents. C'est pas mal ça, l'ajout des prêts bancaires. En tout cas, ici nous avons tous les tous les prêts et tous les tous les contrats. C'est bien ça, ils en ont rajouté beaucoup. Plus les modes hein, qui s'appliquent aussi, bien évidemment. Ok, ça nous fait pas mal d'objectifs à réaliser. Attendez. Ah, je l'ai déplacé ça. Ok, c'est parfait. Bon, revenons à nos moutons maintenant. Je vais bien sûr brancher. Sans plus attendre, je vais brancher par ici. Les détecteurs de métaux parce que ça va pas le faire. Et j'ai l'impression que les droïdes sont débordés. Ici l'eau n'est pas arrivée. Ah bah tiens, c'est normal, j'ai pas mis les tuyaux. Forcément, si tu mets pas les tuyaux ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est l'inondation ou quoi? Ah, c'est les douches. Ok, oui, parce que je venais de construire les douches. Bon, ça a l'air de se passer plutôt bien. Il va falloir que je mette des caméras de sécurité. Est-ce que je peux embaucher encore des membres du personnel? Un contremaître, oui. Ah, c'est bien, c'est un psychologue. Sauf que tu n'auras pas de bureau, très cher ami. Auto-save. Attendez. Comment ça, ils ont pas... Ah, flûte, ils ont pas l'électricité ici. Oh, ils font chier, c'est bon. Voilà, hop, vous allez avoir l'électricité. Direct, chef, juriste. Ok, bon, il faut un autre bureau. Il faut un autre bureau. On va faire une salle. Office, mitard. Ils sont appelés mitard, les cellules d'isolement. Alors maintenant, c'est bureau. Alors bureau, faut que je me souvienne, c'est toujours ici. Voilà, bureau. Bureau. En tout cas, vous êtes très assidus sur cette série, ça fait vraiment plaisir. Comptable. Ah merde, le comptable. Oh putain, en plus, j'ai oublié de mettre une porte. Rien ne va plus. J'ai mis quoi? Ouais, je vais mettre une porte. Si, mais. Si, mais ils l'ont pas construite. Putain, mais ils sont vraiment nuls. Du coup, bah, on va l'installer ici, hein, le bureau. Mais ça l'a assigné directement à celui-là. Putain, merde. Bah, écoutez, tant pis, on va embaucher en tout cas le contremaître. Parce que là, je sais pas si vous remarquez, mais bon. C'est légèrement crade. Légèrement, hein, c'est bon. Faut relativiser, quoi. Allez, rentrez, putain. Ça va être la merde, je sens. Faudrait que je mette des. Ça, je vais les laisser tout le temps ouvert. Mais. Je comprends pas pourquoi le fail secure behind at least one door. Ah, c'est parce que c'est fermé ici, c'est ouvert ici. D'accord, putain, il fallait. Non, attendez, merde, 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 merde. J'ai fait quoi? Il faut une porte, les amis, une porte. Grande porte. Comment ça? Putain, mais vends-moi cette. Non. Vendre objet. Comment on fait pour. Des semaines. Tout ça pour un arbre? Ok, bah les dismantle cet arbre à la con. Il m'empêche de faire une porte. Résultat, il y a eu plein de bastons. Il y en a un qui a essayé de se tirer, le bougre. Ouais, c'est un petit peu la merde. Ici, les ouvriers, ils foutent rien. Vous êtes sérieux? Vous avez du boulot, les gars, là. Hein. Je vous paye pas pour rien. Donc, object. Vous avez des portes à installer, là. Table du bureau. Ça ne veut rien. Putain, il y a la baston. Excusez-moi, j'ai eu un espèce de... au cœur, là. D'ailleurs, ça revient. Une chaise, c'est ici. Ok, bon, attends, ça on va mettre là. Voilà,
petite chair, la petite chair. Et on va engager, c'est quoi ça, concierge. Il me faut des concierges. Je peux pas engager des concierges. Oh putain. Attendez, on va aller dans bureaucratie parce que là ça met combien de temps, jardinier, concierge. Ah, ils ont refait le menu des recherches politiques. Déploiement. Ouh putain, va falloir que je fasse ça, patrouille. Déploiement, politique spéciale, ça on s'en fout. C'est quoi tout ça? Extra grant. Ah, génial! Des nouvelles options grâce au comptable. Bank loan. Ah d'accord, alors c'est par l'intermédiaire de recherche. On va tout rechercher. Ça va mettre du temps. Hein. Ça va mettre du temps. Là, il commence à rajouter pas mal de mécanismes. Assez intéressant. Et putain, je sens l'émeute. Où ça pue l'émeute? Où ça pue l'émeute? Où ça pue l'émeute? Cash flows. Donc vous avez pété cet arbre à la con. Ah génial. Ils ont pété l'arbre à la con. Victory. Paf, une porte. Et cette fois ce sera réglé. Et ça on va la laisser. Non. Oh putain. On va la laisser ouverte cette porte de merde. Putain ça se bat hein. Ça se bat la cantine, ça va. Je vais peut-être rajouter des tables. Ouais ça a l'air de bien préparer. On va peut-être rajouter quelques tables. Ouais on va faire ça pour être safe. Une table ici, une table là. Des bangs. Maintenant on va mettre des bangs. On va mettre les bangs maintenant hein. On met les bangs. Ok bon, ça a l'air de se passer plutôt bien une fois que le yard ça a terminé. Ok on sera, nous serons sauvés. Mais par contre putain, je sais pas ce qu'ils ont avec les portes. Mais il y a vraiment, il reste encore pas mal de bugs hein. C'est vraiment très chiant. Mettez une porte, bande d'idiots du village, s'il vous plaît. Ah bah tiens, il y a des cellules prêtes. Ici, il n'y a pas la flotte. Je ne sais absolument pas pourquoi. D'accord, c'était pas relié. Putain, le tuyau, la con. Bah, faut que je continue à mettre des... T'as décidément, on va faire ça, hein, dans cet épisode. Il faut des cellules, faut que ça construise. Putain, et ça se bat, hein. Ça arrête pas de se battre, là. Ça arrête pas de se battre. Et pourtant, le danger diminue. Nous sommes à 40 prisonniers pour 32 cellules. Ça ne va plus. Ça ne va plus, il faut que je finisse celle-là. Allez hop, on s'y met. On va construire les portes en dernier, bien sûr, parce que sinon, ça va être juste la merde assurée. Et là, je vais utiliser le clone, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai l'option. En plus, je voulais montrer et je l'utilise même pas. Du coup, les lits, c'est les premiers trucs. On va faire une cellule modèle. On va attendre qu'elle se fasse, bien sûr. Avec une porte, d'ailleurs. Porte de prison. Même si j'avais dit que je le ferais pas, mais c'est pas grave. Ok, bon, ils dorment comme des bébés. C'est beau. N'empêche, ce mode est vraiment fun, hein. Je vous rappelle, bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez retrouver le mode sur le Steam Workshop. Ah, c'est pas compliqué. D'ailleurs, j'y suis pas retourné. Tiens, juste après cette vidéo, vous m'avez donné une idée. Je vais aller voir sur le Steam Workshop s'il n'y a pas des modes intéressants qui sont sortis et que je pourrais vous présenter. Déjà, j'en ai un ou deux en réserve que je ferai... d'ici, bon, je sais pas combien de temps, mais bon... Je sais, franchement j'en sais rien, on verra. Je vous dirai ça, ok. Parfait, ici je mettrai une autre infirmerie. Et je vais devoir casser un pan de mur. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi ils... J'ai pas le déploiement, effectivement. Enfin si, j'ai le déploiement, mais je peux pas définir les patrouilles et les... Eh, je peux pas hein. Ah si, je peux. Oh trop bien, je peux. On va foutre un là. On va foutre un là. Ah oui d'accord, oui, ça compte comme une seule... Ah mais j'ai pas mis de porte ici, putain je suis vraiment idiot. Mettre des portes. Oui, pour séparer les pièces. Non, ça ne compte pas, effectivement. Effectivement, bon, à un moment, il faut le dire, quoi. Ici c'est complètement ouvert. Alors je vais regarder. 0 escape. Your own 7% of reprisals. Buy and sell shares. You can sell up to 50% of your prison as a chest to outside investors. You will be paid in cash immediately in return. Ah, bien ça. This money, you know, share. You take the fraction of the total sale price when you sell your prison. Oh c'est génial. Trop bien. Oh vraiment c'est excellent. Maintenant nous avons la possibilité de... on peut vendre notre prison entièrement.
à 100% et obtenir une quantité, une quantité d'argent conséquente. Ou alors on peut vendre 50% de notre prison. Bah, apparemment, il y a des. Enfin, va falloir que j'étudie ça en français. Price for. Pour, alors, apparemment, on me paye 10%. On me paye 6 000 dollars. Enfin, 6 000, oui, dollars. Pour 10% de ma prison. Si j'ai bien compris. Pour l'instant, ma prison vaut 180 000, machin. Bon, bref, j'étudierai ça, mais ça a l'air d'être intéressant. Déjà, en plus, là, j'ai pas le français. Donc, je regarderai avec. C'est-à-dire sans le mode. Avec le jeu en français. Et pour vous parler de ça. Oh la vache, putain. Putain, faut que je clone là. Oh, j'ai pas la capacité de clone. C'est quand le clone? Duplication. Oh, bah tiens, c'est la recherche que je suis en train de faire. Évidemment. Bah tiens, on va installer la tuyauterie comme ça sera fait. Écoutez, hein, je vais te dire. Bon. Voilà. Et évidemment, je le gourde de côté. Voilà. Parfait. Bah vous allez crécher dans le holding cell les mecs, je suis désolé mais bon voilà quoi. Je suis désolé. Et je vais rajouter des gardes parce que c'est vrai que ça commence à être un petit peu short. En plus j'ai du budget, allez hop. Voilà. On a rajouté 5 petits gardes qui vont aller se la toucher dehors. Ah non, ils vont ramener. Ah bah tiens, il y a un clampin. Oh, il est de tête violette lui. Oh, il est fou. Oh putain, il était de vampire le mec. Oh, c'est une chauve-souris! Il s'appelle Tom Chislom. D'accord, il vient de Pennsylvanie, en effet. En effet. C'est tout à fait sa sentence to 4 years for joyriding. Je sais pas exactement ce que c'est. Riding, c'est rouler, enfin conduire, ou ce que vous voulez. Ah, c'est vrai que j'avais oublié, ils ont l'expérience. Ça fait 4 heures qu'ils crèchent dehors. Oh, le pauvre. Il a pas de chance. Bon, voilà, on reviendra plus tard sur les notions de. D'investisseurs. Extérieur et de vendre votre prison pour enfin 10% de votre prison. Bref, j'étudierai un peu plus la question parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié que le jeu était passé en alpha 19. Bon, on va essayer de réaliser les objectifs. Voilà. Donc build Sengfan booth, je sais pas, borne téléphonique à mon avis. Donc je suis à 60%, il faut que j'en construise deux de plus à mon avis, non? J'en ai trois. Ouais, il m'en faut deux de plus. On va les mettre là. Voilà. Oh putain, cette porte. Il me faudrait un garde ici. Sincèrement, il me faudrait un garde. Ça devient la merde. Mais allez, rentrez. Ça, je vais le détruire parce que ça sert finalement complètement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça empêche tout le monde de passer. Et au final, ils ont même pas le temps d'aller dans le yard. Super! Attendez, je vais rejeter un œil au. Ok. Free time, ça. Est-ce que j'ai fait une salle des visites? Ah, mais c'était pour ça, je pense. Attendez, j'ai un gros doute. Cette salle, c'était la salle des visites. Attendez. Room. Est-ce que j'ai fait de la place pour l'armurerie aussi? Ah, oh, putain, les laveries. Ça fait tellement longtemps que j'avais planifié le truc. Faudrait qu'ils rajoutent la planification des salles en même temps. Excusez-moi, je me mouche. Mais bon, ça coulait, hein, il faut le dire. Ça coulait. Bon. Du coup, c'est bon, ils ont installé. Génial. J'ai fini l'objectif. Exhaust, machin, bidule. Build, sync, CCTV. Ça va être un petit peu dur. Build 4. Putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Mais ici c'est la prison de la violence. Oh, oh. Oh vas-y, Smith, Smith. Smith, il veut voir sa famille, c'est pour ça qu'il frappe sur les gardes. Bon par contre, ils sont où là? Il est où le droïde médecin? Il est pas mort le droïde médecin. Qu'est-ce qui branle le... Où se trouve le droïde médecin s'il vous plaît? Ah mais il est parti se reposer. Ils sont partis se reposer les deux en même temps les mecs. Parce que eux ils sont comme ça. Bon, je viens de voir que j'ai débloqué le... Je vais embaucher des concierges. Voilà, 4 concierges, ça fera le boulot. Ouais, regardez-moi ça. Parce que là, c'est vraiment crade, hein. Putain. C'est très très sale. Donc, je voulais cloner. Ah, voilà. Ils ont pas installé la porte, ces idiots. Putain, ils ont pas installé la porte. Pourquoi?
Ok, c'est pas grave. Bon, on les installera à part. Les portes ne sont pas indispensables. Voilà. Et maintenant on installe les portes. Ici je peux pas, je ne sais pas. Ah, parce qu'elle était en fait. D'accord, c'est juste qu'elle a disparu. Piou. Ok, bon, ils ont du boulot. 39 prisonniers, ça suffira pas ça, hein. On va en avoir que 6. Ouais, non, ça suffira pas du tout. Il faut que je construise un autre. Oh là 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 là. Putain, il faut que je construise un autre bloc de cellules. Ok les mecs, on est légèrement dans la merde. Là aussi je pense que je vais faire une salle d'exécution. On va faire une salle d'exécution les amis. Mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place. Ici c'est quoi? C'est une douche? Ouais, il va falloir que je planifie l'autre bloc hein. Ah, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Là ça va être dur. Ça va être très dur. Très dur. Non. On va faire ça comme ça, écoutez, y a pas le choix là. Hein. Allez hop. Vous avez du boulot les ouvriers. Est-ce que j'en ai assez des ouvriers? On va en rajouter un petit peu, j'ai le budget là, je gagne 2000 quasiment. Allez, on va rajouter des ouvriers. C'est pas le fric qui manque, hein, comme on dit chez nous. Oui, non, c'est tout ce que je voulais dire. Attendez. Ouais, c'est bien comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Démolir. Oui, c'est bien ça. Ok, piou! J'ai cru que j'avais fait une grosse connerie. Cash flow. Je sais plus ce que c'est, cash flow. Ouais, c'est quand ils vendent des bûches. Quand ils vendent des bûches. Ils vendent des bûches. Des bûches. Les bûches, les bûches. Oh, putain, c'est beau. C'est propre, ça commence à devenir propre. Ah génial, sans bug, ça s'est passé sans bug, c'est parfait. Mur en brique. Mur en brique. Voilà. Mur en brique, vous êtes satisfait maintenant avec vos murs en brique à la con. Ici j'ai commencé avec des murs en brique, j'ai fini avec. C'est pas grave, on n'a rien vu. Ça se voit même pas. Ça se voit même pas, ça se confond tellement les couleurs sont identiques. C'est pas très grave. Et ici du coup ils ont toujours pas l'électricité. Ah putain. Voilà, ceci est chose faite. Je vais rajouter des billards. Des... Oula, pardon, des trucs pour se muscler. Ah, un prisonnier blessé. Bon, alors la salle d'exécution, voyez-vous. Ah merde, j'ai pas fait. C'est quoi ça? C'est un trou? C'est fait pour. Si, c'est pour les portes, ouais, c'est bien ça. Une porte ici. Bon, ça se bastonne, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Ouh putain, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, il tente de se. Ouh là là, il a été intercepté le mec. Oh, qu'est-ce qu'il. Oh putain, il tente de se barrer. Oh putain. Oh putain. Hein? Oh, il est passé par là le mec. Merde. Il est passé par là, le type. Oh. Vous voyez, il a fait ça. Fiu, il s'est barré, en fait, parce que ces cons n'ont toujours pas construit. Putain, ils essaient de se barrer. Mais construisez-moi ce mur-là de merde, là, sérieux. Oh là là, putain, il y en a un, il s'est barré. Et ils essaient de se barrer, regardez ça. Et regardez ça, il cavale. Oh. Oh non. Oh non, me dites pas ça. Oh non. Oh non. Oh non 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 non. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi si vous m'entendez encore. Il y a eu un gros bug, ils essayent tous de se barrer. Je sais pas ce qui s'est passé. Et bizarrement le jeu tourne super bien en 30 fps et hyper fluide. C'est très étrange. Bon, Prison Architect est légèrement buggé en ce moment.
Allez quoi, mais foutez-moi ce mur, vous êtes pas stupide. Et merde. Bon, attendez, 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 on se calme parce que là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a un mec qui s'est barré, il m'a enlevé 50 000 l'enfoiré. Putain. Oh putain. Ah, oh, je l'ai conchi. Je l'ai conchi et là en plus j'ai... Putain, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Oh là là, j'ai cru que le tout avait bugué, machin et tout. Bon, vous verrez sûrement un bug dans la vidéo, vous aurez un grand moment de silence dans l'enregistrement, parce que là j'ai été comme ça. Oh. J'essaie de résoudre le problème, bref. Mais putain, mais... Ils peuvent pas passer là, non, il y a un mur. Génial. Ok. Hé hé hé. C'est un peu beaucoup bugué, hein. Il faut le dire. Faut le dire, à un moment c'est bugué. Oh, ils ont déjà construit. Putain, c'est nickel ça. Bon, bah on est parti. 41 vols, là, 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 ça va être chaud, ça va être chaud. Bah écoutez, attendez, on va cloner. Attendez, est-ce que je peux... Oui, je peux. Ah, c'est cool ça. Ah non, 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 non. Non, merde, 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 merde. Hé, je fais quoi? Attendez. Attendez, on va faire les murs porteurs. On va faire les murs. On va faire les murs de ceux-là parce que attendez, je comprends pas trop comment. Bref, c'est des cellules, hein. Ouais, c'est des cellules. Ouais, on va faire ça après. Oh putain, ça y est, rebug. Ça y est, rebug. Bah, ça tombe bien, c'est la fin de l'épisode. Il me rebug là, je sais pas pourquoi, mais ouais, le jeu il est. Ouais, ouais. Non, c'est bon, il revient. Des fois il y a des baisses, je sais pas pourquoi. Bon, va falloir que je vois ça pour l'optimiser, machin et tout. Alors, est-ce que je peux embaucher d'autres mecs? Quant à psychologiste, ouais, bon, psychologiste. Voilà quoi. Bon. Contre-maître. Ok, contre-maître, parfait. Ici, ils ont toujours pas mis la porte, c'est bugué. Oh, c'est trop bugué, c'est ça qui est chiant. Faudrait vraiment qu'ils corrigent les problèmes d'IA. Oh là là, putain, mais. Allez le soigner, faites pas chier là, vous êtes à deux dessus là. Vas-y, va soigner ce clampin là. Ah bah attendez, je repasse le temps rapide. Voilà, et maintenant ça tu le refermes. Ok, bon, c'est bon ça. Ah, décidément, et eux ils ont des bûches. Ils ont trop de bûches. Les bûches. Les bûches, les bûches, les bûches. Je vais essayer de vendre cette. Ah bah je peux le faire à la main. Ah, génial. Oh putain, ça rapporte les bûches. Oh mon dieu. Oh, ça rapporte. Et les concierges, je sais pas ce qu'ils foutent. Ah bah, ils essaient de nettoyer, mais ils veulent nettoyer dans les cellules. Ok, je vais vendre tout ça. Hop, voilà, c'est plus rapide. Putain, je me fais tellement de thunes. Eh, c'est lucratif, mine de rien, la vente de bûches. Là, j'arrive pas à voir. Faut que j'amène l'électricité, décidément. Voilà, on fait un truc très grossier pour l'instant. Bah, ça devrait suffire. Ici évidemment, j'ai pas relié. Bon. Point. Voilà. Bon, ça va être la fin de cet épisode, les amis. Oh putain, ça bug. Voyez-vous là, il y a des. Non, c'est vraiment très étrange. Le mode fait bugger un petit peu. Bref. Ah bah voilà, enfin une prison propre et digne de ce nom. Ah, ça fait du bien. Donc pour le coup, bah on va se laisser là, hein. Bon, je suis désolé, j'ai absolument pas prévu ce que j'allais faire aujourd'hui. C'est abusé les vidéos de Prison Architect, faudrait que je les prépare un peu plus, c'est vrai. Mais en plus j'avais même pas vu qu'il y avait une mise à jour. Enfin je l'ai vu, mais bon, j'avais complètement oublié d'en parler dans la vidéo précédente. Enfin dans la vidéo de Prison Architect normal, sans le mod. J'avais complètement oublié, mais bon. Voilà, vu que je fais mes vidéos comme ça en rentrant, ben, chaque fois j'oublie, oh c'est bientôt la nuit, magnifique coucher de soleil.
la couchette soleil. En tout cas, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Donnez-moi vos avis, vos conseils, tout ce que vous voulez. Engueulez-moi. Ça fait plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.